Bonsoir, toujours beaucoup de soleil et beaucoup de monde dans les rues de La Rochelle pour ces 30e Francofolies. Ce soir, on attend sur la grande scène, entre autres, Plaza Francia, la nouvelle aventure tango de Catherine Ringer. Elle sera notre invitée dans quelques instants. On vous emmènera aussi du côté des Franco Juniors. Mais tout de suite, on commence avec celui qui a clos la soirée d'hier devant un public conquis d'avance. La Rochelle, vous êtes là ou quoi? J'aimerais de la lumière. J'aimerais voir toutes les mains en l'air comme ça, s'il vous plaît. Tout le monde. La Rochelle, ouais. Oh, je suis bien là. On va y passer toute la nuit, ouais. Je veux juste vous voir jumper. Jump, 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 jump. On feu, du matin, La Rochelle s'éveille, mais au Franco Junior, il y a déjà le feu. Salle comble pour la rockstar des Minots, Aldebert et ses enfantillages. On dit que c'est le public le plus sincère qu'on puisse avoir parce qu'il y a une énergie à canaliser qui est vraiment importante. Et du coup, voilà, si ça plaît pas, on va le savoir rapidement sur le plateau. Donc du coup, il faut arriver à canaliser cette énergie. Dans la vraie vie, Aldebert a 41 ans, mais sur scène, c'est un garnement de 9 ans. Dragon, c'est magique. Fan de dragons et de soucoupes volantes. Des souvenirs que l'adulte n'a pas oubliés, qu'il met joliment en chanson. Dragon, c'est magique. Succès garanti. Mais dans la maison, c'est pas pratique. Écrire des chansons, c'est fabriquer des images. On le sait, quand on écoute des chansons, on pense à plein de gens, à plein de trucs. C'est comme une espèce de bande dessinée. Et du coup, mes personnages, ils sont ancrés dans une réalité qui parle aux enfants. On parle d'école, je parle du temps qui passe, je parle des parents, des copains, et tout ça. Et toute la partie imaginaire d'aller chercher un dragon à Jardiland, de construire une soucoupe avec son père. Donc ça, c'est toute l'enfance, en fait. Donc c'est quelque chose de très, très riche. Il faut ranger sa pioche. Ranger sa pioche. Range ta pioche. Tout le monde, je pense, avait l'air d'être une évidence, cette rencontre entre vous trois. J'imagine que vous, Catherine, vous n'avez pas dû hésiter longtemps quand vous envoyez les deux premiers morceaux. Non, j'ai pas hésité parce qu'ils m'ont plu et j'ai eu le frisson de me dire « Ah, ça y est, je vais chanter en argentin, les Gotanes, enfin les deux tiers. » Et voilà, ça m'a plu, j'ai pas hésité longtemps, non. Catherine Ringer est une grande, grande chanteuse et donc c'est pas trop difficile de prendre ce type de décision, de dire on veut faire tout un album avec elle. Sur ce tango-là, qu'est-ce qui vous intéresse finalement profondément dans cette musique-là? Le rythme, le côté... passionnel, côté tragique par moments. Tragique, gay. C'est une très belle musique, c'est une musique latine aussi. Puis ça change aussi des choses américaines ou anglaises. Enloquecida, salte al abismo de la passion. Vous étiez là il y a 30 ans, pour les premières Franco. Ah bon? Ouais, en 85. Je me souviens plus que c'est les premières, mais tant mieux. Ça vous plaît toujours, ces grandes messes estivales? Bah oui, c'est toujours marrant de voir... Parce que le public qu'on a dans les grands festivals, c'est qu'il voit plusieurs choses. Donc il y a une ambiance particulière. En plus, on voit les collègues. Les collègues de boulot. Ouais. Et no hay perdón para las que se atreven. Un pronostic pour l'Allemagne-Argentine demain? Moi je suis argentin, donc je vous laisse répondre vous parce que... Et toi tu es suisse-allemand?
Oui, mais bon, enfin, il y a la fameuse définition du foot qui dit que c'est toujours l'Allemagne qui gagne, mais j'espère cette fois-ci que ça va être l'Argentine. Catherine. Plaza Francia, Plaza Francia. Pour lui qu'on ne perd pas 7-0. 30 ans de Franco, et vous, ce serait quoi votre plus beau souvenir? Donc Bachoum, je t'ai manqué. On écoute? On écoute, c'est parti. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Enfin, c'est un thème un peu universel, donc ça touche un petit peu toutes les personnes, toutes les histoires personnelles. Donc, c'est une chanson qui s'applique à tout le monde. Les phrases à l'envers, au silence, ou les mains de main, qui serait l'adversaire, entre nous qui serait le plus malin, et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien. Un grand artiste, hélas. Voilà, c'est une chanson un peu d'adieu. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Et à l'affiche tout à l'heure, Deluxe, Détroit et Chaka Ponk. Comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Plaza Francia qu'on vous a présenté tout à l'heure. Bonne soirée à tous et à demain. Buscaba comprender la stupide raison que me hizo descolgar la línea de mi corazón para dejarte en el pasado. No, no.